Bonjour, je suis Pierre Lassène, PDG de la société Danse Azur, fabricant de chaussons et de chaussures de danse de la marque Merlet. L'entreprise Merlet a été fondée en 1974 par Monsieur Merlet. J'ai eu la chance de le rencontrer en 1978. J'ai eu le plaisir d'être recruté pour l'accompagner en tant qu'apprenti. Durant de nombreuses années jusqu'en 1990, j'ai pu acquérir les fondamentaux du métier de maître chaussonnier, on va dire. Après 12 ans de collaboration et surtout d'apprentissage avec Monsieur Merlet, j'ai donc repris sa succession en 1990. Naturellement, en 1990, l'entreprise était encore assez embryonnaire parce que pendant une douzaine d'années, il a fallu mettre en place les fondamentaux. Notre ligne directrice était très claire. Nous nous sommes développés toujours de la même façon, en collaboration très étroite avec les danseuses et les danseurs, sur des produits de qualité, toujours des produits qui apportent quelque chose de plus à nos utilisatrices. Je voulais insister sur le point de la formation en ce qui concerne nos collaborateurs, quels qu'ils soient. Ça a toujours été un point extrêmement important pour nous, pour l'entreprise, pour moi-même, d'avoir des gens compétents et formés qui soient capables de s'adapter aux différents challenges qui peuvent se présenter. Je pense que grâce à ça, on a une équipe performante, soudée et très à l'écoute de l'évolution qu'il faut que l'on apporte aux produits. Nous avons dû, dans les années 90, faire des choix industriels très importants puisque certains produits fabriqués 100% en France, nous avions beaucoup de difficultés à les imposer sur le marché. Nous avons fait des choix à ce moment-là de décider d'investir sur la Tunisie pour une partie des produits, notamment les produits de danse de salon. Et pour une autre partie de produits, notamment les demi-pointes et les chaussures de jazz, nous avons investi sur l'Inde, où on a développé deux unités de production, des unités propres en partenariat avec des industriels locaux qui nous ont permis aujourd'hui d'être sur des productions totalement maîtrisées, tant sur le plan des approvisionnements que des process, que de la qualité. On est maître d'œuvre, on suit la production sur place, et ce qui nous permet d'avoir des produits compétitifs en qualité et compétitifs en prix. Nous nous attachons toujours à rendre Merlet en mouvement. Là, sur 2020, nous avons eu un gros projet qui a abouti, qui a été commercialisé malgré la situation sanitaire globale dans le mondial, le projet Lisa, qui est une pointe unique puisqu'elle est une pointe qui est capable de s'adapter aux besoins de chaque danseuse, particulièrement pour parfois des danseuses qui ont des problématiques de semelles, de cambrage, de force de pied. Et nous avons développé donc une pointe qui, grâce à des systèmes d'adaptation de dureté de semelle, s'adapte parfaitement à peu près toutes les utilisatrices aujourd'hui d'une paire de pointes. Elle est livrée également dans un coffret avec beaucoup d'accessoires. Et pour l'avenir, on a encore quelques belles surprises. On a notamment le développement d'une pointe qui sera sur un niveau de prix un petit peu plus abordable que peut l'être Lisa, tout en restant très technique et toujours de qualité naturellement. Des fabrications manuelles, aucune industrialisation du produit sur la confection. Par contre, on ne s'interdit pas d'utiliser des matériaux qui soient très pointus et très techniques, mais la confection du produit est manuelle. Et un autre projet qui nous tient beaucoup à cœur en raison de notre savoir-faire, on veut encore plus le faire connaître et le faire savoir, c'est la création d'un pôle ici à Limoges en France de sur-mesure pour toutes les danseuses qui ont des problématiques de chaussons, arriver à leur faire des chaussons adaptés à leur morphologie, leur tempérament, leurs besoins physiques et techniques,
et ce sera un projet qui sera développé à Limoges, effectivement, en France. Bonjour, je suis Nathalie Roche, je suis assistante commerciale chez Merlet. Je suis arrivée dans l'entreprise en 2015 et depuis je m'occupe de tout ce qui est commandes clients, suivi d'expéditions et toutes les commandes qu'il peut y avoir en général de la part des clients. Nos clients sont situés un peu partout dans le monde. Nous avons des clients aux États-Unis, au Japon, en Turquie, en Australie. Nous travaillons uniquement avec des boutiques spécialisées dans la danse. Donc ça peut être de la pointe ou demi-pointe, les chaussures de danse de salon. Voilà, et c'est vraiment très varié. Ce qui m'inspire chez Merlet, c'est la recherche du produit parfait, de l'amour du bienfait, la passion que peuvent avoir nos équipes à travailler un produit et à créer quelque chose qui s'adapte vraiment aux pieds du danseur et de la danseuse. Bonjour, je suis Julien Lassène, je suis le responsable de la production. Mon rôle à Merlet consiste donc à veiller à ce que la technique de fabrication soit bien respectée, à ce que la production se déroule sans encombre jour après jour. Donc j'ai intégré l'équipe il y a bientôt 10 ans. J'ai donc appris le métier de fabricant de chaussons de danse. J'ai grandi au sein de l'entreprise. Quand je n'avais pas école, j'étais dans l'usine. Voilà, ça m'a paru complètement naturel d'intégrer l'équipe. L'équipe qui est à la fabrication des chaussons Merlet est une équipe composée de 6 personnes au total, dont 4 à la production pure. Et chacun a vraiment des tâches très spécifiques à réaliser. Et ensuite, il y a une personne en périphérie qui s'occupe d'assurer et de préparer la production. Et ensuite, il y a une personne donc en finition qui s'occupe du bichonnage et du conditionnement des chaussons. Donc tout ça pour une capacité d'environ 130 paires de pointes par jour. Il n'y a pas vraiment de formation pour fabriquer des chaussons de danse. Nous formons ici, dans notre atelier, toute personne voulant fabriquer des chaussons de danse. Il faut être capable d'une grande dextérité et d'être physiquement assez robuste, parce que c'est un métier quand même assez difficile, plus qu'il n'y paraît en tout cas. Pour pouvoir fabriquer des chaussons de qualité et durables dans le temps, nous utilisons des matériaux de qualité et surtout nous essayons de respecter la procédure et la technique traditionnelle de cette fabrication, même si on a apporté quand même des petites touches de modernité. Je pense que ça, c'est le secret pour réussir un chausson de danse périn dans le temps. Donc pour que nous restions présents dans l'avenir du monde de la danse, je pense qu'il faut sans cesse évoluer et apporter des nouveautés, surtout des innovations techniques et de matériaux. Je pense que c'est ce que nous faisons depuis toutes ces années, que ce soit de nouvelles techniques et des matériaux parfois qui peuvent au début être complètement dingues, mais au final qui apporte quelque chose et c'est ça qui fait toute la beauté de ce métier.
Bonjour, je suis Jessica Legrand, je suis directrice commerciale marketing et communication chez Merlet Danse. Je suis arrivée chez Merlet parce qu'en fait, j'étais cliente Merlet pendant de nombreuses années et j'ai toujours adoré nos chaussures, les chaussures Merlet. Chez Merlet, qu'est-ce qui est important pour nous? C'est bien entendu nos équipes, nos clients, nos danseurs. Ce qui nous rend unique chez Merlet, c'est notre savoir-faire et nous avons également mis en place des niveaux de service extraordinaires avec une équipe très dynamique. Notre savoir-faire et notre réactivité fait la différence chez Merlet. Quand je suis arrivée chez Merlet, j'avais une vision de l'avenir. Nous avons énormément de personnes ici qui travaillent très dur, qui innovent des produits. Maintenant, il faut que nous arrivions à faire savoir notre savoir-faire à nos clients, à nos futurs clients et aux danseurs qui sont clients de nos clients. Ça, c'est pourquoi je suis là. C'est vraiment la priorité pour moi. Parce qu'aujourd'hui, nous avons tout chez Merlet. Nous avons des produits de qualité, nous avons l'innovation, nous avons une équipe engagée. Ce que je souhaite, c'est vraiment de mettre en lumière et de faire connaître partout dans le monde que nous sommes le meilleur partenaire pour nos revendeurs spécialisés et nous sommes les meilleurs fabricants de chaussures pour nos danseurs. My ponchos, Lisa, is very, very beautiful ponchos. The form is very long and for my feet is very nice. Another thing I love about my Merlet Divas is that they always make my feet look beautiful. I really believe in these ponchos. They are so comfortable, supportive and have a great shape. Since the moment I started dancing in these ponchos, I have never looked back. At the moment, I'm really happy in my Chloe's, but I'm looking forward to trying different Merlet pointe shoe styles. These are my Merlet Belle pointe shoes and they look so amazing on my feet. They're so comfy to dance in and they make your life so much better. I'm sorry guys, I have to scream it to the top of my lungs and I wanted to share these with you. I wanted to share my babies and we call them babies. At Ballet Emporium. In fact, they're not just our babies, they're actually the Cinderella shoe. They are just amazing. The box, it's almost like the box transforms to the ballerina's foot immediately from when I put it on the dancer's foot in the shop. Hi everyone, I'm Charlotte from Australia and I'm really excited to be chosen as an eToil Merlet ambassador. I've tried many different pointe shoes in the past, but after Ballet Emporium introduced me to the Chloe model, I can honestly say that they're the perfect fit for me. I'm just in love with the comfort that these shoes provide and how they position my feet on point. Now is the best for me, Lisa.